Bon, vous, les filles, vous avez pu le voir, j'ai refait mes petits cils, mes sourcils, le brolift. Ça faisait à peu près 6 mois que je n'avais pas fait ça. Franchement, je suis trop contente parce que j'aime trop la forme que ça fait. Bon, après, au fur et à mesure, ça descend. Mais vous voyez, ça permet d'avoir des vrais sourcils comme les mannequins quand elles font des photos, des shootings photos et tout, naturellement. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai fait mes petits cils et j'ai fait moins fourni que d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me fait grave bizarre parce que maintenant, j'ai eu l'habitude du méga dolls. Bah là, j'arrive plus à m'y faire au plus naturel. Mais franchement, je trouve que quand même, c'est mieux parce que ça m'alourdit moins le regard. Après, à voir si vraiment j'arrive pas à m'y faire, je referai le méga volume. Mais j'avais envie de changer pour voir ce que ça donnait différemment. Donc, en fait, l'avantage avec cette praticienne, je crois que c'est comme ça qu'on dit, elle fournit en fait les cils bien noirs. C'est vraiment son truc, c'est qu'on a l'impression d'être constamment maquillée. Vous voyez, les cils sont super noirs, donc c'est magnifique. Voilà, donc après, moi, c'est juste qu'il faut que je m'habitue au plus léger. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez quand j'ai le méga volume ou quand c'est plus naturel. En tout cas, je vous recommande cette personne qui est trop trop forte. Elle fait également des formations pour les personnes qui veulent être formées par les meilleurs. Je vous laisse la contacter, elle est trop forte. J'ai également fait mes petits ongles. Regardez comme c'est trop beau. En ce moment, j'ai changé. D'habitude, je fais tout le temps le baby boomer. Et là, ça fait 2 fois que je fais la French de cette manière. C'est une French un peu spéciale parce que vous voyez, elle est super courte et elle part en ballerine. Donc j'adore, je trouve ça trop chic, trop joli. Ça fait grave des belles mains, vous voyez ce que je veux dire? Donc très contente, je vous mets également son contact pour les personnes qui souhaitent passer par elle. Elle est trop forte, les ongles on les garde mais pendant 1 mois, mais facile, sans bouger, sans être abîmée. Elle est trop trop forte. J'ai emmené toute ma famille là-bas, ils sont trop contents. Bon, allez, maintenant c'est l'étape de s'occuper un petit peu de sa peau. Regardez quand même la qualité de ma peau, comme je suis trop contente. J'avais quelques petits boutons de fatigue il n'y a pas très longtemps et c'est tout parti grâce au produit Pin-Up. Donc je vais venir appliquer mon savon comme je fais à chaque fois matin et soir, qui permet d'avoir une peau parfaite, une peau sans boutons, sans tout simplement traces rouges, plaques rouges, eczéma, psoriasis. Franchement, c'est le savon qu'il faut tester absolument si vous avez des problèmes de peau. Vous allez me dire merci Carla. Donc c'est parti, on va venir appliquer le savon. Ce savon, vous pouvez l'utiliser sur votre visage, mais également sur votre corps. Donc n'hésitez pas à aller l'appliquer également sur le décolleté, derrière le dos, parce qu'on a tendance à avoir pas mal de boutons en général à ce niveau-là. Donc comme je vous disais, vous l'appliquez généreusement matin et soir. Et après, vous pouvez également le laisser poser une fois par semaine comme un masque. Ce savon, c'est un miracle. C'est comme ça que la marque s'est fait connaître depuis maintenant des années. Tout simplement parce que ce savon a permis d'aider énormément de femmes à se sentir mieux dans sa peau, plus en confiance en elles forcément, parce que quand on a des boutons, j'avoue que c'est toujours un peu compliqué d'assumer ça. Et là, pour le coup, avec ce savon, vous allez pouvoir vous dire bah ciao, adieu, revenez plus. Et l'avantage, c'est que du coup, en quelques utilisations, vous allez voir la différence. Votre peau, elle respire. Dès que vous allez rincer ce savon, déjà, vous allez voir la différence. Mais en plus de ça, quelques jours après, vous allez voir vos boutons complètement sécher et disparaître. C'est juste de la folie, les filles. Franchement, n'attendez pas, il faut tester absolument. Donc une fois terminé, on va venir appliquer la crème précieuse. Alors ça, cette crème, elle est idéale pour hydrater intensément votre peau. À l'intérieur, il y a une plante chinoise qui est hyper apaisante pour votre peau pour éviter que tout simplement des nouvelles imperfections reviennent. Donc c'est vraiment incroyable. Cette crème, j'utilise matin et soir et j'alterne avec celle-ci. Vous me voyez souvent l'appliquer celle-ci. Alors elle, l'odeur est ouf. Bon, elle aussi, mais c'est deux odeurs différentes. Celle-ci, c'est ma préf. Elle est sans huile, donc non grasse. Celle-ci est... Attends, donc moi, ce que je fais, c'est que j'alterne entre ces deux crèmes. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent qu'une fois que la peau s'habitue au bienfait, après, au bout d'un moment, ça ne va plus faire d'effet. Donc, pour éviter ce genre de choses, je fais un jour l'un, un jour l'autre, un jour l'un, un jour l'autre. Ou alors, vous pouvez faire le matin ça et le soir ça. C'est à vous de voir.
Puis, je vais aller me laver, je vais vous parler après de ça. Écoutez-moi bien, j'en rêvais de ce genre de soutien-gorge. Oh là là, je suis trop contente. Regardez où je suis, c'est Maïsan qui m'a réservé ça. Non mais c'est pas dingue, regardez comme c'est trop beau. Oh, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Regardez comme c'est trop beau. Je suis choquée. Incroyable, alors ça, j'adore. Qu'elle m'a préparé Maïsan dans la tenue où elle vient. Joyeux Noël. C'est génial. Par contre, tu es dans la même couleur que oui, l'institut. Je suis Ça, c'est sympa. j'ai fait exprès. Donc, elle nous a réservé un moment détente. Regardez comme c'est trop beau. Je suis sous le choc. Franchement, ça nous ressemble beaucoup cette déco. J'aime beaucoup. Très zen comme nous. Alors, écoutez, il faut que je vous dise un truc. Écoutez bien, avec Maïsan, on s'est dit quoi? On s'est dit, nous, on n'a pas de mec. Non. Personne ne va nous le faire non. ce soir. Voilà. Si on attend un mec, ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera jamais. Donc, on a décidé de prendre les choses en main. Voilà. Et comme on est des copines, on s'est dit, vas-y, on ne se lâche pas. On va se faire des soins, on va Dans se faire masser. Voilà. On est à fond. Merci. De toute façon, je sais que vous connaissez par cœur mon maquillage puisque je ne change jamais. Je ne sais pas faire autre chose en clair. Il faudrait vraiment que je prenne des cours avec une maquilleuse qui m'explique quel produit prendre, etc. Bon, là du coup, vous l'aurez compris, je pars manger au resto un petit bout dans un nouveau resto que je ne connais pas. C'est Maïsan qui m'a dit viens, on va là-bas, c'est trop cool, etc., etc. Donc écoutez, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. On verra tout à l'heure. Et voilà, ça va faire du bien un peu de manger entre copines, de papoter. Heureusement que j'ai les cheveux déjà pris parce que sinon je serais tellement là pour, mais tellement. Vous avez vu que mon blond, il est quand même d'une couleur un peu différente de d'habitude. On a changé un petit peu, mais là franchement. Il me tarde les cheveux longs. Je sais, je ne fais pas l'unanimité avec les cheveux longs, mais moi, j'avais trop envie de les retrouver. Donc j'espère franchement ne pas être déçue. J'y vais demain et je vous montrerai le résultat, bien évidemment. Donc je sais qu'il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont moins aimer. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est la vie. Hop, et heureusement d'ailleurs. Je me suis fait un maquillage, mais en express. Bon, les filles, je vous avais dit que je vous ferais des questions-réponses aujourd'hui. Mais je vous avoue que je suis vraiment, vraiment à la bourre. Regardez le soutien-gorge que je me suis pris. Il est trop bien, les filles. Vous allez revivre. Je vous explique, je vais vous en parler après. Il est trop, trop bien. Donc, en plus, ça fait carrément une vraie brassière. Donc, trop à l'aise. Je suis en train de me maquiller rapidement. Je vais... je sais pas, on va essayer, si je vous montre le tuto complet. Ce que je sais, c'est que je suis genre super à la bourre. Comme d'hab, pour changer. J'ai fait une journée de fou, mais franchement, c'était cool. Puis j'avais besoin de prendre un peu soin de moi. Là, ça devenait important. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire, mais Carla, tu prends jamais soin de toi. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu ailles un peu chez le coiffeur, etc., etc. Donc écoutez, c'est arrivé. Ce jour est arrivé. Franchement, aujourd'hui, j'ai fait la totale. Full soin. Même soin du visage, les filles. Franchement, je suis trop fière de moi. Bon, les filles, je viens de me laver. On vient de rentrer du spa. Je vais vous partager. On a fait une petite vidéo de notre moment à nous. Donc, je vais vous la partager après. Elle est trop bien. Franchement, on a grave kiffé. C'était trop, trop cool. On s'est fait un petit soin visage, un petit massage d'une heure. C'était trop, trop agréable, les filles. Franchement, ça fait vraiment du bien. Et on a grave rigolé. Donc voilà, c'était vraiment ma journée, moment à moi, moment entre copines. Là, je vais sortir, je vous explique, je fais une grosse bêtise de sortir maintenant, je vous explique pourquoi. En clair, demain, j'ai une journée de travail de fou. J'ai au moins 10 rendez-vous demain, facile, je me lève super tôt. Je ne devrais pas sortir. Une personne normale qui est raisonnable ne va pas sortir quand elle sait qu'elle doit se réveiller très tôt et qu'elle doit être de bonne humeur et surtout avec un joli visage. Mais comme je suis anormale, hein, tout le monde le sait, du coup, je vais devoir sortir ce soir. Bon, en vrai, ça me fait du bien de retrouver un peu les copines parce que ça faisait un long, long, long moment que je n'étais pas sortie.
retrouver les copines, ne serait-ce que manger au resto. Vous savez, moi, je fais jamais rien de fou, mais au moins manger au resto, entre copines, papoter et tout, se détendre. C'est vrai que ça fait super longtemps que c'est pas arrivé. Et comme demain, j'ai une énorme journée de travail et que demain, du coup, bah, je vais pas pouvoir sortir, je me suis dit, bon, bah, vas-y, va quand même au resto ce soir. Même si je rentre tard, c'est pas très grave. Je vais essayer de gérer pour demain, croiser les doigts, parce que là, vraiment, faut ni que je rate mon réveil, que je sois en forme et que je sois fraîche. Sachant que demain, je pose aussi mes extensions, parce que là, la coiffure n'est pas terminée. Parce que je vous ai dit, j'en ai marre d'avoir les cheveux courts. Donc demain, en fait, là, on a fait la couleur. Et demain, je pose mes extensions. Enfin bref, vous savez tout là. Bon, les filles, je viens vous parler tout simplement de la marque Rosomia. C'est une marque que je voulais absolument tester depuis super longtemps. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ce sont des soutiens-gorge qui sont trop utiles. Pourquoi ? Ils sont sans armature. Donc, grâce à ça, vous allez éviter tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on prend des soutifs avec, c'est-à-dire notamment avoir des traces, des armatures, avoir tout simplement des soutiens-gorge qui ne se cachent pas malgré qu'on s'habille avec des vêtements près du corps, c'est catastrophique, c'est trop moche, ou bien ça peut être aussi le sujet du cancer du sein, donc très mauvais pour la santé. Avec ça, vous allez éviter tous ces problèmes-là puisque ces soutiens-gorge sont sans armature, comme je vous disais, donc trop bien, ça ne sert pas, vous êtes super confortable, enfin carrément j'ai l'impression d'avoir une brassière pour dormir, elle est trop bien. Donc avec ça, vous pouvez vraiment dormir. Moi, par exemple, je ne dors jamais avec mes soutifs. Mais avec ça, vous allez être tellement confortable que vous allez pouvoir le porter. Et c'est très bien pour maintenir votre poitrine. Faut pas l'oublier que c'est important en permanence d'avoir des soutiens-gorge pour ça, parce que souvent les poitrines peuvent être assez lourdes. Et donc grâce à ça, vous allez du coup éviter tous ces problèmes-là. Vous avez plus de 4 couleurs disponibles et ils sont juste trop beaux. Je vais vous montrer également l'arrière qui est réglable, pas de panique. Et surtout, regardez, ça remonte malgré tout la poitrine. Donc avec ou sans armature, vous allez avoir tout simplement un décolleté de rêve. Donc ça, franchement, je valide à 100%. Du coup, je voulais vous montrer l'arrière également, qui est donc bien évidemment sans armature. Donc regardez. Franchement, c'est trop bien de ne pas avoir quelque chose de serré à ce niveau-là et qui maintient malgré tout. Regardez les bretelles comme elles sont réglables. Franchement, c'est trop confortable. Je valide cet achat à 100%. Franchement, vous ne serez pas déçus. Et surtout, vous allez pouvoir mettre vos tenues les plus serrées sans pour autant avoir le soutien-gorge qui ressort. Et ça, moi, c'est tout le temps mon souci. C'est que mon soutien-gorge, il est trop visible même en portant des vêtements. Je l'ai pris également en beige, les filles, parce que je trouve que c'est une couleur qui est trop utile pour mettre avec les vêtements. Donc, je vous disais, vous voyez, vous avez ce maintien au niveau de la poitrine et vous allez vous sentir mais tellement confortable dedans. C'est-à-dire qu'avec ça, vous dormez. Vous pouvez passer la meilleure des nuits avec. C'est trop bien d'avoir des soutiens-gorge sans armature, pardon. C'est la folie. Franchement, c'est la première fois que je teste et franchement, c'est tellement, tellement bien. Regardez. Oh, j'adore. C'est trop pratique, trop facile à porter. Franchement, n'hésitez pas, grâce à mon offre, vous allez avoir moins 20% de réduction avec le code Carla. Donc foncez vite chez Rosomia pour dénicher vos meilleurs soutiens-gorge sans armature. Je vais vous montrer bien l'arrière. Regardez, c'est comme ça. Vous voyez, il y a plein en plus de crochets pour attacher votre poitrine. Il est trop, trop bien, les filles. Franchement, trop confortable, je valide à 100%. Bon, petit look pour ce soir, je l'ai joué assez chic, les filles. Je me suis mis un blazer robe un petit peu long avec les petites chaussures qui vont avec. Voilà. Et ma petite coupe de cheveux.